Les membres de l'association Notre-Dame du Salut Antenne Côte d'Ivoire, les pèlerins ayant déjà fréquenté les sanctuaires de Lourdes et les chercheurs de Dieu, candidats au pèlerinage 2014 en ce lieu saint, ont communié. Une communion au cours de laquelle les responsables de cette association, laïque et religieux, ont expliqué ce qu'est le pèlerinage à Lourdes. Lourdes, cheminement à découvrir Dieu, le suivre et lui ressembler. Je suis prête à partir, très intéressée, pour rencontrer la Vierge, pour prier, pour soumettre les intentions de prière de mon pays, de ma famille et les intentions personnelles. Il y a beaucoup de choses à découvrir à Lourdes. Si je me mets à citer, non, il faut qu'ils aillent voir, pour qu'eux-mêmes découvrent. Et puis chacun va faire maintenant son commentaire pour dire, ah, voilà ce que j'ai vécu à Lourdes. Pour expliquer Lourdes et ses 18 apparitions, deux enseignements portant sur les thèmes, les miracles de Lourdes, et la joie de la conversion. Les thèmes développés respectivement par le frère Clément Kobe de la communauté Mère du Divin Amour et le père Alphonse Yao, curé de la paroisse de Yopougon, Gare. La relation avec Marie doit commencer par cette simplicité. Simplicité de relation, accueillir Marie comme il se doit dans sa vie et puis entrer en relation avec elle, avec bien sûr pour objectif d'arriver bien sûr à Jésus-Christ. Comme chaque année, les membres de l'association Notre-Dame de Salut Antenne Côte d'Ivoire sont attendus à Lourdes, non seulement pour le renforcement de leur foi et leur élévation spirituelle, mais aussi donner de leur amour et de leur humanité par le service à tous ces malades et invalides pour qui Lourdes est la thérapie à leur mal.